On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. Voilà, je suis désolée, j'ai une tête de malade et je parle un petit peu du nez. Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo au plus vite. Donc voilà, place aux achats. Alors, j'ai un gros sac avec plein de choses dedans. Du coup, j'ai acheté des Catisfaction. Mon chat en raffole. Il est dans la pub, qu'est-ce qu'il ferait pas les chats pour Catisfaction. Mais effectivement, c'est vrai, le mien, il l'adore. Là, heureusement, il est couché, donc il n'entend pas trop le sac, parce que sinon, je secoue le sac, il va venir. Donc voilà, là, j'ai pris au poulet, d'habitude, c'est au saumon, mais il a adoré. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais il doit y avoir de la drogue pour chat dedans. Donc voilà, et donc à Action c'est vraiment beaucoup moins cher que dans les autres magasins. J'ai acheté un lot d'éponges pour faire le ménage parce que j'aime bien avoir des éponges différentes en fonction de l'utilisation de l'éponge. Et ça évite de demander celle-là c'est pourquoi, celle-là c'est pourquoi. Au moins je fais un petit code couleur et au moins je suis tranquille. J'ai acheté, enfin mon copain a acheté de quoi retaper un vélo, donc en fait de la protection, du papier de verre, une bâche de protection, enfin, on trouve tout hein, chez Action. Donc voilà, deux bombes de peinture, donc de la marque Spectrum, hein, c'est pas non plus la merde. Donc voilà, une noire métallique, un petit peu brillante, et un bleu. Ainsi que du coup des gants bien résistants pour pouvoir faire le ponçage et pas se faire mal. Et c'est pareil, c'est de la bonne marque, donc au top. J'ai acheté, enfin j'ai enfin trouvé un filet pour les sous-vêtements. Il y en a deux, donc c'est par deux, donc pareil aussi vraiment pas cher. Donc je suis toujours en galère et pour mettre mes sous-vêtements, c'est vrai que j'en trouvais pas des filets ou cher pour ce que c'était. Donc là j'en ai profité. Ensuite j'ai acheté des pansements vraiment pas cher, donc voilà. Après on passe à tout ce qui est loisirs créatifs. Enfin, moi j'adore scrapbooking tout ça, donc là-bas Action c'est génial. Vous pouvez acheter plein de choses pour vraiment pas, enfin pour un prix hyper pas cher. Donc là c'est un petit roll-on pour coller en fait les photos, donc pour celles qui font du scrapbooking vous reconnaîtrez à quoi ça sert. Pareil pour les petits 3D mosaïques là, ça c'est super quand vous voulez coller des petits objets en 3D, ça fait un petit effet 3D, c'est double face, c'est génial. Donc pareil, que dalle de prix. Ensuite des petits stickers. Voilà, là vous avez un petit aperçu de ce qu'il y a dedans, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, une petite palette de stickers, pareil pour vraiment pas cher. Je crois que j'en ai pris deux. Oui, voilà. J'en ai pris une deuxième. Voilà, donc plein de petits stickers. Pour faire du scrapbooking, c'est au top. C'est vraiment trop chou et c'est pas cher. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? Eh ben, encore une palette de stickers. Donc voilà, côté home, nature, enfin un peu girly, là, un peu rosé, là. Donc voilà, vraiment bien sympathique. J'ai pris aussi du papier. Voilà, ça c'est pour faire des enveloppes, des cartes, enfin voilà. Quand on fait des loisirs créatifs, on a toujours besoin de papier, de différents modèles, de différentes tailles, de différentes couleurs. J'ai aussi pris ça, des petits rubans satin trop mignons avec des petits nœuds là, enfin voilà. Ça c'est toujours aussi sympa quand vous faites des petites cartes, enfin moi je vais toujours trouver l'utilité. Hein. Mon placard de loisirs créatifs, je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu tout ce que j'ai comme matos et comme... comme papier et comme petit objet pour faire mon scrapbooking, c'est assez impressionnant. Après j'ai acheté du bain de bouche, donc pareil, beaucoup moins cher que en magasin et c'est du signal, donc on ne prend pas de risque. J'ai acheté une bassine multifonction hein, pour le ménage. Là celle-ci c'est pour emmener au boulot, donc voilà, je crois que c'était pour 1€, donc nickel, c'est pareil, pas cher et elles sont bien résistantes, j'en ai déjà une comme ça. Et j'ai trouvé un saladier qui fait aussi corbeille à fruits, enfin qui est bien trop mignon en vert anis comme j'adore, avec ce petit motif fleuri. Donc voilà, soit en corbeille à fruits je vais m'en servir, soit pour un saladier parce que je manque toujours de saladier. Donc voilà, donc ça y est, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté, donc voilà, le tout pour 24€. 24€ pour tout ce que j'ai acheté.
Donc non, franchement c'est vraiment pas cher. J'adore ce magasin, je vous le redis franchement. Pour celles qui ont la chance d'y aller, allez-y franchement, voilà, il faut y aller, il faut aller voir. C'est vraiment pas cher et donc voilà, je vous le recommande à fond. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi je crois que je vais aller me reposer, me coucher. J'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao.